s'asseoir maintenant. Amen, on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Pascal, aujourd'hui, là, je me dis, on arrive à la fin. C'est un travail de 7 ans pour que l'esprit de peur la quitte totalement. Vous voyez un peu? La délivrance, ce n'est pas toujours prier pour quelqu'un un instant, là. C'est personnalisé d'une individu à une autre. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit au parcours, là. Mais je peux vous dire que c'est une autre personne que nous voyons là. Je l'avais dit que tu seras élevé. Amen. Ne regarde pas les gens qui regardent. Elle était en colère. Chaque fois, je ne regardais pas ses mails. Chaque fois, je l'ai déposé, je me prenais 20 minutes. Il dit, pasteur, encore. Bon, j'ai dit, laisse ça. Tu verras ce que Dieu veut. Sa force de départ était simplement l'obéissance à Dieu. Je ne suis pas sûr qu'elle n'avait pas beaucoup de foi. J'ai forgé beaucoup, je continue à forger sur la foi. Mais être obéissant à Dieu, elle était là, donc elle était soumise, unie à Dieu. Alléluia. Et c'est pour vous dire que c'est un grand témoignage. Quoi qu'elle m'a dit, parce que pardonne, même pas sur YouTube. Je vais mettre ça en audio. En audio, on ne verra pas ta figure, on attendait que tu envoies. Alléluia. Alors, c'est pour dire simplement que Dieu est bon. Alléluia. C'est apprécier cela. C'est la bonne part que Dieu peut faire pour nous là. Quand les impossibilités sont là, il est capable de rendre les choses impossibles possibles. Voilà pourquoi vous avez témoigné aujourd'hui. Il faisait des choses impossibles. Il y en a qui n'étaient pas très précis. Amen. Dans les témoignages préparés, quand on va faire au moins les joints là, comme un carnaval de Jésus-Christ pour les nouveaux croyants. Et là, vous allez être un peu précis. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bontés, pour tous tes enfants, les belles et les bonnes choses, dites et non dites parmi ton peuple, ceux qui sont ici ou ailleurs, que tu as fait, que tu feras encore. Nous savons que tu es un Dieu de bonté. Nous bénissons ton Seigneur pour tous ces témoignages et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, à voici pour nous. Amen. Père Céleste, nous te rendons grâce pour la possibilité que tu nous donnes aujourd'hui. D'écouter ta parole. Voyons que la Bible est ta parole et qu'elle contient la vérité de Jésus-Christ. Nous connaîtrons cette vérité aujourd'hui et nous serons affranchis. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de joie. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Ça, c'est une petite dîme spéciale que je garde ici, là. Je vais payer avec l'extra de notre salle, je suis en terminé en retard. C'est une petite jeune fille de mon quartier qui joue au tennis. Qui venait me voir pour que je puisse prier pour elle. Et puis, elle a gagné une coupe. Et puis, après, j'ai passé pour le voir et elle s'est confiée à moi pour prier pour elle. Et quand elle est sortie deuxième du championnat, encore cette fois ici, il a dit à son frère, ma dîme, donnez ça au pasteur Laurent. Je ne l'ai pas ouvert, c'est comme son père me l'a donné depuis que j'ai dit passé. Alléluia. On va prier pour ça. Je vais donner ça à la salle ici directement pour que ça le serve vraiment pleinement, que ça serve à Dieu. Alléluia. Et vous dites, les enfants, quand vous avez commencé à travailler, mais avec qui vous commencez à travailler maintenant, les 10% de ton salaire appartient à Dieu. Et tu vas voir que ça va être plus qu'à l'intérêt de toutes les banques. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. La louange a été merveilleuse aujourd'hui là. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Amen. Je vais avoir beaucoup de sourires aujourd'hui là. Amen. 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 Dieu est bon. Dimanche passé c'était bon. Nous croyons que c'est dimanche là encore. Ça serait encore plus que dimanche passé parce que notre Dieu nous conduit de gloire en gloire. Alléluia. Amen. 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 Pour ceux qui sont loin, dites Amen. Amen. Faites du bien, tu as mis le parlophone. Il faut mettre toujours le parlophone. Ils ont réclamé qu'il faut que je les entende un peu. Okay. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ou mettre à la fin quand on va les dire au revoir, mais tu peux mettre maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'enseignement sur comment l'impossible devient possible. On a vu la première chose qui transforme l'impossibilité, la possibilité était la foi. La deuxième chose que nous avons vu, c'était la confession de la parole. La troisième chose que nous voyons depuis 3 semaines maintenant qui est la
persévérance. Parce que c'est là où beaucoup de failles. Si vous voyez comment le Seigneur a enseigné plusieurs fois, il est venu pour sur l'endurance, sur la persévérance, sur l'insistance. Dans les évangiles et dans les épîtres, les apôtres sont venus sur ça. Alléluia. Parce que, comme je venais de dire seulement, nous avons un opposant principal qui est le diable. Son travail, c'est de nous opposer. Comme il opposait la sœur Pascal en ne faisant pas lire ses emails à sa hiérarchie directe pour qu'elle manque la sagesse de réagir. Amen. Je vois la semaine du dimanche parce que ça beaucoup intéressé. Hein. Il faut aller suivre ça. Je vais mettre ça sur YouTube cette nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, maintenant nous voyons, nous avons vu les caractéristiques d'une vraie persévérance. En fait, nous avons vu que la première caractéristique pour la persévérance était d'être soumis à Dieu. J'ai pris l'exemple de Saint Pascal, il dit que la foi, je ne peux pas dire qu'il a une super foi, là, mais l'obéissance est là. Mais parce qu'elle est soumise à Dieu, elle peut grandir dans d'autres échelons avec Dieu. Être soumis à Dieu, c'est extrêmement important parce que tout ce que nous faisons vient de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas combattre le diable. On n'a aucune puissance. Il nous terrasse à la minute. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous avons vu, c'était la connaissance de Dieu. Connaître ton Dieu, comme vous avez témoigné aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'on appelle Dieu a fait pour les actes des apôtres dans vos vies. La main de Dieu dans votre vie. C'est que Dieu a fait dans votre vie. Le Dieu qui était avec les apôtres, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Donc nous continuons les actes des apôtres. Il faut connaître qui est ton Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Alléluia. Amen. Je pensais avec un pompier, un musulman, qui nous parlait, et puis il a vu sur mon pouvoir, c'était Gaulle et tout, je lui parlais de Dieu. Et puis il dit, mais et tu crois à la Trinité, cette Trinité? Je dis, non, moi je ne crois pas à la Trinité, parce que c'est pas. Où tu as vu la Trinité? Oh, les chrétiens, non. Qui a dit que les chrétiens, c'est pas trois dieux là. Trinité pour toi, c'est pas trois personnes. Je vais t'expliquer c'est quoi. Tu t'appelles comment? Je me dis, je m'appelle Adad. Bon, moi je m'appelle Laurent. Je me suis caché, il dit, Adad, oui, est-ce que tu m'as vu moi, Laurent? Oh non, je ne te vois pas. Mais tu entends ma voix? Mais pourquoi tu réponds que c'est moi? Tu as vu? Jésus est la parole de Dieu. Ses yeux sont ouverts. Oh! Je n'avais jamais vu ça. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est ça la parole de Dieu. Et puis c'est pourquoi il vient là vous juger nous, tout le monde. Parce que dans votre Coran est écrit, il vient juger les vieux et les morts, la mort. C'est pas un prophète qui va juger qui connaît tout. C'est celle Dieu qui connaît tout. Alléluia. Et puis, on a commencé les conversations merveilleuses. Je vais nous retourner ce soir encore. Alléluia. Nous croyons que nous allons le voir ici. Hein? Amen. Comme à Sharaf numéro 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, connais ton Dieu, ce que ton Dieu est capable de faire. Si tu connais qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire, tu ne peux pas vivre dans la crainte. Tu vas espérer, tu vas croire qu'il fera les choses. C'est le créateur de toutes choses. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et on a vu aussi que il faut être résolu. On va revenir sur ça un peu aujourd'hui encore. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer, tu n'es pas résolu. Amen. Si tu n'es pas déterminé, tu vas persévérer et tu vas abandonner en cours de route. Alléluia. Quand tu sais que cela est à toi, que tu es hérité de Christ, que Dieu a dit, toi tu es béni, toi tu ne dois pas être ce que tu es aujourd'hui. Tu sais que Dieu a dit que toi tu vas être marié, Dieu a dit que toi tu vas être délivré, Dieu a dit que tu vas être guéri. Donc tu persévères pour ta guérison. Quelle que soit la chose, tu dois être résolu. Moi, je vais obtenir ma guérison. Moi, je vais obtenir ma délivrance. Moi, je vais obtenir. Si tu n'es pas résolu, tu es une personne inconstante. Alléluia. Donc nous avons vu la carte de c'était la constance. Et puis dimanche, on a pris beaucoup de temps avec la sagesse. C'était vraiment merveilleux. Il faut aller suivre ça. Allez, je ne vais pas revenir sur ça. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons avec quelque chose de très essentiel. J'ai déjà préparé mon 20 dollars d'extra parce que je sais que je vais dépasser un peu. Alléluia. Parce que, alléluia. Amen. Je sais qu'il n'y a pas qui crasse les dents là. Alléluia. On va dépasser un peu. Peut-être pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec la sixième caractéristique d'une vraie persévérance. Alléluia. Cette caractéristique, elle s'appelle la résistance. Amen. C'est aussi un principe physique. Alléluia. Qui a déjà mis un réchaud en résistance? Nous, quand on était aux étudiants au campus, on pouvait mettre des réchauds. Tu pouvais voir les résistances à l'extérieur. Amen. Alors, c'était comment?
quand il mettait au corps, ça venait. Amen. La résistance dégage la chaleur. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, tu dois être endurant. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer si tu ne sais pas endurer. Si tu ne sais pas résister. Quand on parle de résister, on parle en fait d'une opposition de deux forces. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Mon frère, j'avais bien. Hein? Je vais juste prendre un exemple. Alléluia. Je sais, lui, il est plus sportif que moi. Là, il a arbitre, il court encore. Amen. On peut faire un bras de fer comme ça, là. Toi, tu vas comme ça. Moi, je vais. Moi, je t'ai. Alors, il résiste. Ok? Tu vois? Nous sommes en train de résister. Alléluia. Amen. Mais, si, quand on résiste, qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est la douleur qui est là. Amen. C'est ça, résister. Des fois, tu vas peiner à résister à les choses de Dieu. Mais la vérité est qu'un jour, Satan va être par terre. Parce que tu différes avec la force de Dieu. Amen. Persévérer, c'est résister. Parce que nous avons un opposant. Parce que nous avons quelqu'un qui va s'opposer à nous tous les jours. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé l'enseignement hier. Amen. Alors, vous comprenez que celui qui persévère, c'est celui qui résiste, c'est celui qui insiste. Amen. Des fois, Dieu a donné une promesse. Tu as prié, Dieu a dit, la chose est là, elle t'a donné. Mais la chose, tu ne la vois pas encore.